remember it. Ça va, toi ? Ça va, et toi ? Ouais, bien, t'es bourré ? Non, j'étais en train de regarder pour m'acheter un nouveau clavier, du coup. Comment ça, t'as acheté un nouveau clavier ? Bah oui, vendredi passé, je l'ai lancé, te rappelles pas ? Non, je me rappelle pas, non. Mais t'as fait quoi ? Quand t'as commencé à jouer contre nous, et ben à un moment donné, je me suis ramassé un spawn kill par Muppies, et ça m'a fait péter un plomb, puis j'ai balancé mon clavier. Mais ça a fait... C'était un peu du... tu vois, je suis mort, et genre, ça a fait... Voilà, tu vois, puis il a volé, du coup. Et voilà. Et du coup, j'étais en train de regarder pour me racheter le même, parce qu'il est bien. Mais il y a qu'une touche qui est cassée. Oui, mais le problème, c'est que je peux pas racheter de touche parce que les fils qui relient le clavier à la touche, ils sont complètement foutus. Hein. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Bonne question. Tu sais, t'as des petits fils en je sais pas quoi, et puis ils sont niqués. Du coup, je peux pas remettre... J'avais acheté des touches, sauf que je peux pas les remettre, en fait. Et tu peux pas bricoler, réparer les choses ? Non, c'est pas possible, et puis j'ai pas que ça à foutre. Excuse-nous, Elon Musk, de t'avoir adressé la parole. Hein. Non, mais c'est vrai. Du coup, t'as voilà. Un clavier sur lequel il manque une touche, voilà. Et tu vas en racheter un autre. Ouais. Et celui-là, il va servir... Ah, je vais l'encadrer avec l'autre que j'ai cassé, je pense. Oui, make sense. Hein? Bah ouais, tu sais, ça fait des souvenirs. T'sais, ça me rappelle de pas être trop con, tu vois, comme mon bureau que j'ai pété, tu vois. Ok. T'as une photo de ton ex aussi? J'ai plein de photos et vidéos des gens que je pète, mais après, voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mais si vous voulez, volontiers, on le fait gagner pendant le Salty Duel, un PC plus un clavier, si tu veux. Putain, faut qu'on parle de tes petits problèmes, de tes petits débordements, quand même. Il était neuf, ce clavier, non ? Ben, tu sais, c'est quand on avait discuté il y a... Bah, au tout début des héros, je l'ai reçu, ouais. Au tout donc, début, il y a deux, trois... Au tout début, ouais. Au tout début des héros, donc il y a 2-3 mois, ouais. 3 mois pété, ok. Ouais. Et sous le tapis, du coup, il y a quoi ? Refais voir à tout le monde pour ceux qui étaient pas là ? Bah, du coup, j'ai dû mettre un autre tapis de souris parce que sinon ça, ma souris elle s'enfonçait. Hein. Oh. Ouais, il est bien cassé. Hein. Ouais, bah faut en racheter un autre, hein. Tu vas pas garder ça quand même. Bah, je vais le garder un temps. Non. Pour m'apprendre encadre-le. À quel point il faut que j'arrête d'être débile, tu vois. C'est... Voilà. T'as level up un peu là ou pas ? Alors, je commence à mieux maîtriser les touches, ouais. Mais t'as joué ouais. Un peu ou pas ? Alors, j'ai joué quand j'avais le temps, et la plupart du temps où j'ai joué, j'ai fait soit des deathmatch, soit du stand tir. J'ai fait quelques classés avec le Guise quand même. Ouais, et alors ? Bon, ça dépend des games, quoi. Oui, mais ça sert à rien de faire des classés tant que t'es pas hyper à l'aise en TDM, mec, avec tes mécaniques qui sont nulles. Ouais, ça, alors ça, on est d'accord. Mais je voulais quand même voir, des fois, je testais ce que ça donnait, justement, une game, voir si j'avais amélioré ou pas, tu vois. Mais pourquoi aller en game pour s'apercevoir que les mécaniques sont bonnes ou pas ? Bah, savoir si j'arrive quand même à cliquer un peu ou non, quoi. Y a pas besoin d'aller sur l'autoroute si t'as un parking à disposition pour savoir si tu sais conduire, hein. Oui, c'est pas faux. Ce qui me pète les couilles quand on fait les tous contre tous, là, c'est insupportable, ils attendent tous au spawn. Mais c'est les meilleurs, mec ! Mais non, tu spawns, t'es mort. Parce que t'es nul à chier. Peut-être. Mais justement, c'est ça que tu veux. Des trucs où, tant que tu spawns et t'es mort, ça sert à rien de lancer une ranked. Ah, ok. Bah, parce que pendant les 55 en TDM, ça allait bien, c'est ça que je dis. Bah oui, c'est normal. Enfin, bon, voilà, quoi. En vrai, tu sais quoi, j'ai toujours pas testé le free-for-all. Ouais, bah le problème, bah, mais tu verras, le meilleur des problème, trucs, c'est normalement. Que... Mais bon, après... Mais non, parce que vraiment, ils attendent au spawn et tu crèves à un endroit, tu arrives au spawn et t'es direct mort. T'as même pas le temps d'apparaître que t'es mort, tu oui, peux mais rien faire. Le mec qui te tue, ouais. Il te tue. Oui. Lui, il est vivant. Oui. S'il était là, ce mec qui te tue, oui. Il me dirait pas, dès que je spawn, je meurs. Non. Donc, il y a un winner et un loser, et là, en face de moi, j'ai le mec qui a les excuses du loser. Mais non, parce que après, ça change. Après, à des moments. Parce que moi, je me balade sur la map. J'aime pas rester à un endroit et camper à un endroit. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Mais on s'en bat les couilles, tes valeurs. On te demande d'être bon. Oui, bah, c'est pas être bon d'attendre à un spawn et si. Puis niquer ce. Ah bon, ok, d'accord. Bah alors si, on peut le faire, tu verras que j'y arrive très bien. Hein. Chaque chose en son temps déjà. Mais attention à pas rentrer dans ce cercle vicieux du loser quand même. Parce qu'il est trop simple et il est connu ouais, depuis 20 non, ans, quoi. Ça, c'est toujours ça, pareil. C'est clair. Sur CS, les mecs qui me disaient « Ouais, mais le TDM, j'aime pas parce que dès que je spawn, je meurs. » La vraie vérité derrière ça, c'est parce que t'es pas assez bon en fait, tu vois. Il y en a forcément un. Tout le monde ne peut pas spawn et mourir en fait, tu vois, c'est pas possible. Non, il y en a forcément un qui va « Bah moi, j'aime bien le TDM. » Et la différence entre celui qui spawn et qui meurt, et celui qui s'améliore et devient meilleur, bah elle est simple au final. Il y en a un, il est pas dans les excuses, et il y en a un, il est dans la sortie de sa zone de confort. Il y a un moment, il faut plutôt être dans une mode X quoi. Je veux pas me faire en. Tu commences par faire ta. C'est-à-dire jouer comme les petites.
ça au son sur Rainbow Six, ce qui est dégueulasse. Et tu sais quoi, c'est la même chose sur Valorant. Le TDM, c'est pareil. Les gens jouent au son, c'est dégueulasse. Il y a 20 ans, quand les gens jouaient à Counter-Strike, ils avaient eu au moins la décence sur les mods d'enlever les bruits de pas pour jouer vraiment qu'au visuel. Mais quitte à le faire, fais-le quand même, tu vois. Parce que c'est une part importante de Rainbow Six au final, d'écouter et de décaler au moment opportun. Bon, 1v1, let's go. Ah, direct. 10 000 euros. Non. Le mec a juste envie de se faire un salaire. Tu fais les salty duels samedi ? Oui. Voilà exactement ce qu'on va faire. Le but du jeu, c'est que tu gagnes samedi. Ah, on peut essayer, ouais. Je crois en moi, hein, mais quand même. T'as pas le droit de perdre aujourd'hui. Arrête de tirer toutes tes balles, mec. T'as de la chance que je loupe le one tap. Hein. Je suis en train de prendre de la latitude, mec. Tu me mets pas de pression. Tu m'as laissé rentrer à une fenêtre où, en règle, si t'étais resté à l'endroit où t'as vu mon drone la première fois, c'est impossible pour moi de rentrer. Ensuite, j'explose le closet. Dans tous les cas, que je rentre au niveau de la porte ou que je rentre au niveau du closet, je vais avoir le pick advantage. J'avais envie de mettre un one tap juste pour te provoquer. Je le rate comme une merde. Mais en vrai, je gagne 80% ce duel tout le temps. T'es à la fenêtre. Garde le lien. Samedi, faudra que tu gardes le lien. Allez, t'as cassé une cam, est-ce que j'étais sur la cam? Oui. Tu l'as vu à rouge, donc je sais où t'es. Allez, rotate, va casser une autre cam. Bah c'est ce que je fais. Ok. Ah putain, pourquoi je t'entends? Mais j'entends tes pas à droite quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu plantes une bombe? Bah savoir où je suis le plus safe. Ouais, et donc qu'est-ce que tu dois faire? Bah me mettre dans un angle où il peut pas me tirer dessus. Ok, donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que là, je l'aurais par exemple, je l'aurais planté derrière le petit meuble en couleur là. Exactement, ok? Tu l'aurais planté au niveau du conteneur en fait. Bah il y a de grandes chances que ces endroits-là soient de bons endroits aussi en sécurisation de zone en gros. Oui. C'est des endroits safe en fait, c'est les endroits naturellement ou le coin dans lequel tu vas vouloir te mettre, d'accord? Ouais. Bon, c'était... Je sais pas ce que tu viens foutre là, mais bon. Bah, en fait, c'est mais parce là, que j'étais derrière le meuble en couleur juste à gauche, là. Puis du coup, je t'ai entendu péter, et du coup, j'ai voulu venir te back, quoi. C'est nul. Ah. Et non, c'est nul. T'as fait un flick shot là. Oui. Bon, oui, le shot. D'accord, ok. Le flick shot, c'est quoi en fait? Ben, c'est le fait que je me fasse surprendre et du coup, je dois mettre un grand coup pour pouvoir. Exactement. Le flick shot, du coup, pourquoi c'est beau? Parce que c'est impressionnant. Mais c'est surtout au final l'aveu du fait que j'ai apparu à un endroit auquel tu t'attendais absolument pas. Exact. Donc du coup, un flick shot par définition. Pourquoi est-ce que c'est sympa? Parce que la probabilité que tu le réussisses, elle est très faible. Oui. Bon alors ne le fais pas. Tu veux faire que des trucs qui ont une variance positive. Donc c'est-à-dire que quand tu les refais 100 fois, tu les gagnes plus 60%, pas 20%. Ça, c'était nul. Là, tu restes à l'endroit où je suis et tu m'écoutes. Tu fais pas de bruit et tu écoutes. T'as de la chance. Ah ouais. Ah putain, merde, j'ai perdu trop de temps. Ah puis là ta tête dépasse hein. Oui, ça j'avais pas vu par contre. Perdu trop de temps là, faut que tu mettes la pression direct là. Tu perds pas ton drone et tout, garde ton drone, ok? Garde ton drone pour t'insérer à un endroit de la map. T'es venu faire quoi en fait? À part confirmer le fait que t'allais perdre ton drone à un endroit par lequel t'allais pas pusher. Bah rien, rien du tout. Hein. Bah ouais, t'as perdu ton drone. Et c'est cette porte là, tu sais très bien que tu vas pas la jouer. Bien joué. Tu savais que j'étais dans la chambre juste à côté de toi? Oui, parce que j'étais drone. J'étais drone depuis la bombe, en fait. Je me suis décalé dans le couloir, puis je t'ai vu traverser le couloir. Du coup, je me suis arrêté de droner. Mais là, tu savais que j'étais juste là? Dans la chambre d'à côté? Oui. Non, j'étais pas sûr. C'est pour ça que je me suis planqué dans le closet. Oui, mais tu sais que si je décale au moment où tu rentres dans la chambre par laquelle t'es à machiner, là, j'étais juste à côté de toi quand t'as cassé la cam. Oui, mais j'ai regardé. En fait, je scopais la porte au cas où, en reculant. Je suis allé en marche arrière, en scopant la porte, pour pouvoir après aller dans le closet, puis drone. Non, mais il y a jamais de moment où tu vas en marche arrière dans Rainbow Six, hein. Jamais. Okay. Jamais. Il y a que en shield que tu fais ça avec montagne, quoi, à la limite, quoi. Mais jamais tu vas en marche arrière. C'est pas Grand Branch, là.
Bien joué. Merci. Cette fois, j'ai pas lâché la ligne. Ouais, t'es penché du mauvais côté. Bon, ça va, ça va. Et là, Zami, ça allait, c'était pas trop mal. Bon, je t'ai entendu bouger quand même, mais bon. Ouais, tu le perds pas ce duel. Mais c'est ouais, inadmissible. Mais j'avais plus de balles. Inadmissible. J'avais regarde balles. Comment je décale comme un silver. Mais oui, j'avais plus de balles. J'avais plus de balles. Et après, j'ai le pompe. Je vais le charger, j'ai pas fait gaffe. Putain. Ah ouais, bah oui. Alors du coup, je crois que c'est R la touche. Hein. Tu l'as cassé celle-là aussi. Prends le temps, quoi. Tu peux pas arriver par reload, mec. Ah vas-y. C'est débile. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai aucun moyen de m'enlever sans que tu puisses plus général. J'aurais dû rentrer sur site quand j'en ai eu l'occasion. Ouais, non, mais là, sur le cassage d'un mur, tu ne casses qu'un mur quand t'es en face du mur, que quand t'es absolument sûr, qu'au moment où tu vas le casser, il y a personne qui va te prendre avec le marteau dans la main, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? De façon générale, soit tu casses un mur avec un angle d'incidence extrêmement faible, genre sur le côté, et ça, t'as le droit, moyennant le fait que tu reloads pas comme un débile, et ça, ça vaut aussi pour les portes, petit angle d'incidence, et tu reloads quand t'as déjà balancé 15 balles dans la porte, pas quand on a balancé 21 et que la porte se casse. Ce mur là qui était pas renforcé, c'est comme si t'étais dans un couloir en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit, puis j'ai aucun moyen de m'enlever. Ouais. Quel était le pire endroit où je pouvais être au moment où t'as ouvert le avec ton sledge? Bah juste là, enfin là où t'étais finalement. Exactement là où j'étais. Donc ce truc là, tu devrais le savoir. Donc tu dois te mettre à ma place et tu dois te dire, attends, il y a quand même une possibilité qu'au moment où j'ouvre le mur, il me fasse un surprise motherfucker et qu'il soit juste en face de moi en fait. Ouais. Et ça, t'as pas à te laisser surprendre. Si tu te laisses surprendre, c'est fini. En fait. Bon, c'est pas trop mal. T'étais derrière le bateau, non? Non. Bah, t'étais à côté du bateau. Non, j'étais sur la voiture. Ah, mais pour moi, c'est un bateau, ça. Parce qu'avant, sur Rainbow Six... Ah, pour moi. Okay, mais c'est vrai que c'est une bagnole. Putain, je suis débile. Parce que l'ancien House, c'était... ça, c'était un bateau avant sur House. Mm-hmm. Je dis toujours le bateau, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de... sur la voiture. C'est juste, ouais, c'est bon, juste. Bref, est-ce que tu m'as entendu à côté de toi? Sur cette map, j'entends rien, mais vraiment. Mais bah, mets-toi en pour mode... Moi, pour moi, t'es contact à la porte. Hein. Ouais, bah, j'étais pas loin de la porte. L'idée, en fait, que j'ai voulu faire, c'était, en gros, de faire un énorme tout droit. Parce qu'il y a un mur que t'avais pas renforcé. T'avais pas anticipé le fait que bah j'allais peut-être jouer à cet endroit-là, tu vois. T'allais me laisser, en fait, quasiment rentrer sur le site. J'ai pas voulu jouer, je voulais juste aller faire le con, m'amuser, aller me mettre à un endroit où tu t'attendais visiblement pas à ce que j'aille, en fait. Je voulais laisser au cas où un mur pour me laisser une opportunité de retard. Mon but, c'était de pas mal sécuriser donc les portes, etc. pour que t'aies quasi une possibilité, c'est de passer par là-bas. Bon, voilà. Moi, le truc, c'est que je voulais jouer sans drone parce que je voulais te montrer que je pouvais avoir l'info et une information pertinente qui était visible. J'aurais jamais imaginé que t'allais aller sur la voiture. Je pensais que t'étais derrière la voiture. Parce que le problème, c'est que tu m'as entendu, donc j'étais dans une zone où tu m'as pas entendu visiblement, donc t'étais dans une zone où on pouvait s'entendre, et moi je t'ai clairement entendu regarder les cams en fait. Ouais. Et je savais où t'étais. Enfin, non, au final. Pour moi, t'étais derrière la voiture. Mais en vrai, si j'avais tryhard, j'aurais repris mon drone pour prendre l'information, d'accord? Mais attention à ça quand même. Oh putain. Bien joué. La grenade. Oh, tu m'as mis mal, hein. Tu m'as mis mal. Ok, tu vois, ça là, ça je suis pas content. Qu'est-ce que j'aurais aimé devoir faire là? Attendre que ça bip. Bah ouais, pourquoi te donner? T'as failli me donner mon duel là. Ouais, c'est vrai, en plus j'étais tout castelisé. Imagine là, j'arrivais, parce que là, qu'est-ce que t'as fait? T'as joué le duel en te disant, il arrive en faisant du bruit, on est d'accord? Oui. Ok. Parce que pourquoi? Parce que t'avais tout castle et parce qu'il me restait 11 secondes. Mais moi, s'il y avait eu genre 4 secondes de plus et pas de castle, ou si j'avais pas parlé pendant 2 heures au machin et que je m'étais aperçu qu'il y avait le trou de rota machin, j'aurais chez Copic. La seule possibilité pour moi de finir ce duel, c'est que si tu te donnes. Et pour que tu te donnes, il faut que je te donne l'impression que je vais faire une erreur en courant très vite et en m'arrêtant à certains endroits, genre où je sais qu'il peut y avoir des lignes sur lesquelles tu m'attends. Ouais. Je vois quelqu'un me t'a cassé, donc j'imagine par où t'es passé. Et par où tu vas attaquer de facto. Je vois que t'es en train de me droner. Attention à ça quand même, t'as pas le temps. Non mais...
T'as pas trop le temps. C'est... Ouais. Mais je sais, ce bon psyte, il me fait péter un plomb, vraiment. Je te teste. Voilà! Enfin! Ça, c'est pas mal. Ok. Eh, ça, c'est propre, ça. Merci. Ah, fait chier, quoi. Oh! Mais quel... Là, il est en fait échec. Je suis sûr, il a pris montagne. Glaze. La cam avant est pas cassée. C'est pas le genre de personne à faire une insertion par en bas. Je suis sûr, il a pris glaze. On va entendre une smoke. Putain, je suis trop dans sa tête, les mecs. Il est au fond là-bas, juste en face de moi. Là. Ah, bien joué. Bon, après, je joue un peu, mais... Ok, c'est pas mal, ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu le temps de renforcer ça. Oh, le fils de... Il a eu la chatte de sa life, là. Bon, on va le laisser sur site 30 secondes. Et on va le par au-dessus, déjà, forcément. Il y a... C'est nul, ça, hein, ici. Y'a rien en fait. Voilà, il a fait de la merde, il s'est mis du mauvais côté. Il aurait dû rester au niveau de son truc. Ouh, espèce d'abruti de merde. GG. Ouais, GG à toi. Non, franchement, t'as bien joué. Hein. Honnêtement, non. Il y avait des trucs. Regarde la VOD avant samedi, ok ? Ok. Regarde la VOD avant samedi. Il y avait des moments où j'y allais en mode tranquille. Je t'ai pas manqué de respect, quoi. Allez, dépêche. Faut que tu rack. Ah oui, c'est juste. Ouais. Allez, pardon. C'est toi. Moi, j'avais rien dit. Hein. Moi, mais j'étais je sais. Là pour te combien choper. Combien j'ai dit ? J'ai dit 20, moi. Oh, putain, 200. Quoi, je dis... quoi, 200 ? J'ai pas dit 200, j'ai 200. Dit 20. Ah, 20, j'ai... ça veut dire en français, 20, ça veut dire. Ça vient du vieux français qui veut dire 200. Oui, bah oui. Voilà, ça y est, c'est bon. Putain, il s'est fait attendre. Oui, bah il s'était pas enregistré, je sais pas pourquoi. Voilà, oh là là. Aïe aïe aïe, merci Nano. Inattendu, vraiment en plus. Merci d'avoir offert la possibilité à 20 personnes de payer leur droit de scolarité. Ouais, regarde la VOD. Poste VOD. Combien de fois t'as dit que j'étais une merde? Non, franchement, non, pas tant que ça, non. Okay, non, il y a eu des trucs. Non. Non, mais moi, il y a que l'IKEFAC hein, qui me fait peur, les autres. Normalement, ouais, il y a du joystick, il y a Dan, il y a un joueur de chez Wild, un joueur de chez TT9, il y a l'IKEFAC de chez BDS, et il y aura 2-3 autres personnes encore. Oh, voilà. Putain. Et même les personnes comme Sky Tin Lee, Zeryu. Il y a Len aussi ou pas? Len, je pense qu'il y a. Il y a le Guise des héros. Ouais. Non, il y a de. Faut vraiment que t'aies de la chance de pas tomber contre un joueur pro, quoi. Ouais, bah, après, bah, tu peux toujours l'enculer sur le fait que à chaque fois, tu sois en mode. Bah, tu prends plane. Ça se trouve, c'est un joueur pro qui a 18-19 ans. Il sait pas que Glaze, ça pète les. Il y a jamais joué en fait. Tu vois, ouais, c'est possible. Possible hein. C'est vrai. Ouais, il y a des joueurs qui sont T2 et tout et qui savent pas que Glaze ça traverse le truc. Voilà quoi. Et jouer du Glaze, de la Ying aussi. Hein. Si tu sais cooker les grenades, tu sais cooker les Ying. Et si t'arrives à balancer une Ying dans la gueule du mec, mais c'est fini. Un hein. Ying c'est trop bon, mec. On peut cooker des Ying. Bah, Ying, tu la cookes ta nade. En gros, soit tu la balances direct et dans ce cas-là, elle roule. Ouais. Et donc tu peux tirer dessus et la casser. Soit tu la cookes pour qu'elle pète instantanément. Ok, il faudra que j'essaye ça. Merci Nano. Merci à toi. À merci vendredi. Chat. Et puis ouais, à vendredi. Ça va être bien ça. Ouais. Allez, bisous poulet. Ciao. Bye Nano. Ciao. Bye.